Messieurs, dames, bonsoir, bonjour, bonsoir pour ceux qui regardent la VOD, ici Draken sur Eva Sound Studio. On continue ce soir notre aventure sur Borderlands en compagnie de Jake. Bonsoir Jake. Hello. Et nous allons, donc cette fois-ci je vais vous afficher le jeu, nous allons commencer ce soir et peut-être terminer le DLC numéro 2 qui est Émeute à l'Underdome de Moxie. Et du coup, pour ton souci, Jake, c'est résolu ou pas? Je suis avec toi. Il Ouais. n'y a pas eu le message T'as pas eu le comme avant message? le stream là. Bon. Il n'est plus en avance sur moi sur l'histoire. Mais j'ai un autre problème Quel est qui, ton je pense, problème? vient uniquement de moi. Et quel est ton problème? Je pense que quand on a quitté la dernière fois et que je suis allé à la boutique, malencontreusement, j'ai vendu mon super beau joli snipe. Je ne l'ai plus, je peux pas le récupérer. Non. Ah bah J'ai 3 oui, cartes oui, pour m'en oui, oui, racheter. là tu pourras plus le récupérer. Ouais. On a changé de. Est-ce que ça va dropper un avec les clés? Donnez-moi un snipe. C'est quoi ça? Mitraillette. Machine gun. Attends, bouge pas. Je suis vraiment désolé, j'ai dû faire une Non, erreur mais d'inattention. je ne joue quasiment jamais au jeu. Ben C'est voilà. un peu Noël? Regarde, Ah. t'as un snipe niveau 500 là. Mais c'est pas ça ton ancien, hein? Non, c'est pas mon ancien, Il faisait pas mais. 500 de dégâts. Allez, je le prends. Ah bah oui. Là oui, tu peux le prendre. Tiens, regarde, Au final, je vais j'ai. chercher des munitions et cette fois, Vas-y, je fais attention de les garder sur moi. j'ai encore 58 clés dorées, mais comme je joue jamais au jeu, bah je les utilise jamais, donc. Super, je m'y attendais pas. On peut se faire maximum de sous. Hop, alors je vérifie que le micro est bien allumé, les gens ont bien mon retour sur le stream. Bah, si tu Je veux, te moi vois j'ai. sur le stream. Voilà. Youhou, c'est moi! Lâche-toi. Ah, c'est bon, je t'entends. Voilà, je suis revenu, le stream est revenu, ne vous inquiétez pas, ceci n'était que illusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai perdu ma connexion avec ma Freebox. Ah, c'était la co, d'accord, ok. Ouais, Donc, c'est c'est pas la le co, même c'est la problème. co. Non, C'est pas le souci qu'on a eu hier, d'accord, ok. ce n'est pas stream, c'est Mako qui. Alors des fois ça arrive. Je Bah, sais ça m'est pas arrivé, pourquoi. c'est mercredi matin, je crois. Oui, c'est ça, mercredi matin, j'ai pu rien faire, moi, hein. De mon côté, j'ai. Ça a planté, hein. La co, elle a pas voulu. Moi, ce qui est embêtant, c'est que ça arrive souvent. Alors du coup, attends, il faut que je quitte. Vas-y, J'espère vas-y. que ça a sauvegardé ton arme, parce que sinon, on va refaire. Bah, on va voir, hein. Commencer le jeu. Hop, option réseau, amis uniquement. C'est parti. Donc oui, des fois, ma connexion se bug comme ceci. Alors du coup, inviter des amis. On recommence. Je sais pas, des fois en jeu. Parce que moi, c'est une clé USB Wi-Fi que j'ai. Faudrait que j'achète le câble réseau. Un câble Ethernet, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ouais, mais c'est surtout. En fait, c'est que pour le faire. Enfin, déjà, faut un bon câble pour le. Parce que le réseau Wi-Fi. Enfin, Free. Pas Free. Fibre optique, il faut un bon câble. Et c'est surtout que je dois percer mon mur, en fait. Pour faire passer le câble. Ah, c'est pas la box, c'est pas dans la même pièce. Ouais, non, voilà. Ma box est dans ma chambre qui est dans une pièce juste à côté. Et du coup, je peux faire. Je vais vous montrer à la cam. En gros. Attendez, il faut que je regarde le retour. Tac, en gros, il faut que je perce un trou. Ça, là, ici, c'est mon débarras. Un débarras où je mets des cartons. Alors, hop, un petit droit, c'est mieux. Et du coup, il faut que je perce un trou dans le mur du débarras et que je fasse tomber passer le fil en dessous complètement. Tac, tac, tac. Donc, c'est un peu embêtant. Comme je suis pas très bricoleur. Il va casser tout le mur. Il veut Alors. agrandir la pièce. Il veut une cuisine ouverte sur la salle à manger. Alors. Si jamais tu veux rigoler, déjà, mon collègue, hop, voilà, je mets le téléphone en mode vibreur, j'avais oublié. J'ai dû changer ma lunette de toilette, puisque je l'ai cassée. Ah, c'est des choses qui arrivent, ça. Voilà, mais alors en fait, je l'ai fendue une première partie, je me suis dit, ouais, c'est bon, je peux la garder. 2 mois après, j'ai fendu l'autre partie. Donc j'avais une moitié de lunette de toilette.
Donc c'était un... voilà. Donc là, j'ai dû acheter une nouvelle. J'ai mis 2 heures pour 2 heures? l'enlever parce que mon ancien propriétaire, il avait serré les vis en dessous comme un taré. Et D'accord. c'est pas les vis cruciformes, Non, c'est non, les, non, je pense que c'est vrai. tu vois, c'est les vis en plastoc qui font bien mal déjà quand tu le fais à la main. C'est compliqué. Et du coup, j'étais avec une pince. Enfin, j'ai fait 2 heures, j'ai passé 2 heures. Puis surtout que c'est pas des toilettes de géant où j'ai. Donc, vu ma corpulence que vous voyez sur le stream, j'ai dû me Abusé, carrément ouais. me foutre au sol. C'était. Je te raconte pas. Voilà. Donc, j'ai mis quand même 2 heures. Donc, percer un trou, je peux faire, mais bon. Je vais attendre que mon père il vienne venir dire bonjour, que je fais papa, tu peux prendre une perceuse? S'il te plaît. Du coup, bon, on va lancer ce DLC. Alors, t'as encore le flingue ou pas? Ah oui, voilà. Ouais, je l'ai. C'est parti. Alors, nous allons donc à l'Underdome. C'est parti, mon kiki. Oh, c'est joli l'écran de chargement. Mon premier mari était un salopard, infidèle. Mon deuxième mari était amusant. À cette époque, je voulais avoir un jouet pour moi toute seule. Je regrette un peu d'avoir cassé ce jouet. Mon troisième mari était doué avec les chiffres. Allô? Et de Oui, ses mains, c'est cinématique. nous sommes restés en bons termes. Je cherche un quatrième mari. Je guette. Je ne sais pas quand je le rencontrerai, ni où, mais il est là, quelque part. Moi, je trouve le réconfort dans la violence. Et les souffrances que j'inflige. Plus ça va, plus le public m'apprécie pour ma cruauté. Bientôt, ils me supplieront de leur en donner plus et encore plus. Tu sais, c'est tous des ennemis qu'on a vaincus avant. Si jamais. Quand j'en aurai assez, je me trouverai un nouveau jouet. Mais d'ici là, c'est pas tellement différent du Et mariage, voilà, un des finalement. personnages principaux et adorés de la communauté Borderlands. Marie, en un sens. Moxie. Alors, je te laisse réfléchir pourquoi elle est très appréciée dans la communauté. Bah attends, je vais voir sur le retour parce que j'ai pas eu la cinématique. Ah mince. Alors, juste ah mince. Parce qu'elle est stylée. Alors, non, non. Si je te dis que dans Borderlands 3, ils ont généré un truc physique exprès pour elle. Ah, d'accord, ok. Genre, Plus de poitrine. voilà, non mais, et ça c'est pas une connerie. Donc, Gearbox ont fait spécifiquement pour son skin une physique sur ses loulous, sur sa poitrine, pour qu'elle rebondisse quand elle bouge. Non, sérieux? Oui! C'est vraiment, c'est. Et c'est là ça va, bon le décolleté il est plongeant, mais dans Borderlands 2 et de Borderlands 3, elle est derrière un bar. Donc quand elle est derrière le bar, tu peux zoomer dessus. Ok. Voilà. Alors donc ici il y a la. Donc si tu Attends, veux. tu as dans la machine deux petits kits d'optimisation sur la machine rouge à Ah oui activer. c'est vrai, c'est vrai que c'est les machines. Les kits d'opti gratos. De petits gratos. Oui, parce que dans Borderlands, en fait, c'est toi, tu peux en acheter qu'un. C'est une. Maintenant, on a une banque. Banque. Nous avons accès à une banque dans Madboxy, en fait. Alors la banque, la banque, elle est. Donc là, ici, tu vois Marcus, parce que Marcus c'était son ancien mari à Moxie. D'accord. Avant celui-là, donc là tu peux voir ici les portraits de Marcus. Si tu regardes. Hop, alors je Ouais, vais. attends, je regarde ce que j'ai dit. Alors j'espère juste que le stream ils ont bien eu la musique. Mais en plus c'est vrai, j'ai oublié, mais. J'ai oublié de télécharger Mon Dieu, c'était portrait. pour Borderlands 9. Oui, donc oui, voilà, Marcus 4. Voici Marcus 5, donc l'actuel. Donc Marcus Kincaid.
Et voici derrière Marcus 3 et Marcus 2, premier du nom. Et donc notre caissier ici, c'est la banque. Mais on n'y a accès qu'ici, après dans le vrai jeu, on n'y aura pas d'autres. Je crois qu'on y a encore accès après dans les autres DLC. D'accord. Mais je pense qu'on fera le pire. Enfin, ils seront toujours sauvegardés dedans. Donc. Est-ce qu'il y a un glitch pour accéder derrière? Alors. Je ne sais plus. Je vois une belle caisse rouge. Oui, oui, t'as des caisses rouges. Tu as, t'as 4 caisses rouges, t'as tout ça. Et de mémoire, je crois qu'on y accède. Tu vois, Moxie, elle est là. Elle est là-bas. Là, tu vois sur le. Ah oui. Le tableau. Donc, tu vois comment elle est. Regardez le chat. Voilà, regardez. Moxie, Moxie. On va la voir après. Mais de mémoire, je crois qu'à la fin, on fait péter la banque. D'accord. Je sais plus trop, mais alors attendez. C'est très post-apo évidemment, Borderlands, mais cette ambiance cirque comme ça, moi j'aime beaucoup. Ça fait très cirque du 19e siècle. Bah, c'est entre guillemets un parallèle à Dr. Ned, où là c'était vraiment Halloween. Là c'est vraiment le cirque, le show. Moi il fait penser un peu au cirque du Joker dans les Batman, dans les Batman Arkham. D'accord. Donc là, ici, on a les trois arènes. Donc, t'as l'arène 1, l'arène 1, machin chose. Et on doit aller au tableau des primes pour prendre la première quête qui est terminée 5 rounds dans chaque Coliseum. Ah, on est vraiment sur un style d'arène quête, rendre quête à la World of Warcraft, BC, Telka, Kata, quoi. Ah oui, là c'est vraiment. C'est vraiment, t'as les trois arènes, tu dois faire les trois arènes. Donc là, on voit la première arène. C'est un cratamandé, excusez-moi. Donc c'est vraiment, on fait les arènes. Puis voilà, donc voilà Moxie. Et derrière, c'est la musique du bar de Moxie qu'on aura dans Borderlands 2. Et voilà, du coup maintenant c'est... Je charge. Attends, parce que tu vois en fait... 5, 4, 3... J'espère que dans 3 secondes t'as chargé parce qu'ils arrivent, hein. C'est bon, ça a commencé. Okay, là. Donc là, les ennemis, ils ont moins 4% de dégâts, moins... Oui, c'est vrai que t'as tout ton... Alors, attention derrière. Hein. Donc, la musique est bien, mais elle est forte. Faut que tu baisses la musique. Parce que moi, pour le moment, j'ai plus de musique. Hein. Ah bah, la musique a disparu. Moi, j'ai juste... Donc ouais, là, c'est la vague. Là-dedans. C'est la vague d'échauffement, et du coup, c'est on doit survivre le plus longtemps et tuer tout le monde. C'est grand. Et du coup, il y avait des modificateurs qui étaient affichés au début. Donc, t'avais moins 6% de vie ou un truc comme ça. Et j'espère juste qu'on va pas avoir de bug de spawn. Alors, attendez. Ça explose ou... Ah oui, il est là. Où il est là. Ah, il est là. Oui, c'est ça, ils sont cachés les PPR. Donc là, première vague terminée. Donc du coup, ça c'est les méga bonus là qui tombent. Tu vois ici, tu vois ça c'est les grosses munitions. En fait, t'as juste à foncer dessus et ça va te mettre de la vie, des munitions, etc. Donc là voilà, tu as l'entracte et c'est parti pour la deuxième manche. Donc là, on commence en douceur. Donc moins 4% de santé des ennemis, moins 6 de dégâts. Et ils ont moins de boucliers. Ok, bon. Mais en fait, c'est 5 rounds. Comment dire, c'est 5 rounds. Là, c'est que des ennemis à distance. Donc toi, tu vas adorer. Je vais crever, moi. C'est 5 rounds et c'est 5 vagues par round. En fait. À chaque fois. Donc, je sais pas si on va finir le DLC ce soir. Une grande chance. Et du coup, bah vas-y. Hein. Alors, je vais juste prendre. Hop, je vais prendre une mitraillette qui fait du feu. Donc, si jamais, n'hésite pas, quand les gens ils ont des boucliers, il faut d'abord leur tirer dessus, soit avec des balles normales ou des dégâts électriques. Et après, tu les. Pas comme je fais là, et après tu les canardes avec des dégâts de feu en fait. Et utiliser ta compétence dès que possible, hein, bien sûr. Ah, elle est cool ton arme.
Ouais, je vois. Très lente, par contre. Hein. Ah bah oui, mais ça, c'est le défaut. Ça fait énormément de dégâts. Oula, 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 oula. Mais t'as pas vu, ça, tu fais des petites explosions. Donc là, attends, t'inquiète, ne le tue pas. Voilà. Et du coup, entr'acte. Donc là, pareil, il faut récupérer des munitions, de la vie. Récupérons, récupérons. Troisième vague de mémoire, c'est... je crois que c'est des brutaux, je crois. C'est la vague 4, les brutaux. Donc, moins bouclier. Ah non. Oui, c'est les... Oui, c'est... eux, c'est les foules ennemis au corps à corps. Ils ont de la vie, hein. Ah oui, oui, bah oui. En plus, ils mettent des vicieux brûlants. Et les vicieux brûlants... C'est... Ah. Bon, après, tu peux toujours... En courant tout le temps, tu peux les... Tu peux quand même les distancer. Deuxième seconde, je crois. Ouais. Alors, je sais pas si ça se cumule. Du coup, vas-y, prends la vie là. T'as de la vie. Qu'est-ce que ça prend ? Ici, il y a des munitions, pareil. Ouais, bah, c'est bon. Toi, t'es... Oui, c'est vrai, entre chaque round, on est régène à chaque fois. Donc là, c'est le quatrième round, donc c'est des brutasses. Quatrième vague, c'est des brutasses. Voilà. Donc là. Et... Courir. Bah ouais, il y a des skags, il va y avoir des monstres, hein. Enfin des hommes aussi. Ouais, au fond là-bas je le vois. Mais c'est pas des brutasses. Ils tirent sur les skags. Ah bah c'est tant mieux, t'as vu, c'est dit. Pourquoi ils tirent sur les skags? Bah parce que c'est une arène. C'est chacun pour sa poignée normalement. Ah, je croyais qu'ils étaient tous contre nous. Non, ils sont contre nous, mais ils sont aussi contre eux. C'est compliqué, c'est compliqué. Oula. Après, là, c'est des brutasses, mais c'est des brutasses de la du round 1. Attends, quand on va avoir les brutasses du round 5, ça va piquer. Et du coup, là, on va... avoir le boss normalement. On doit faire ça 5 fois. Hein. C'est... En total 15 rounds quoi. C'est 20 rounds. C'est 5 vagues. 5 rounds de 5, 25. 25. On va faire 25 rounds. D'accord. Parce que c'est 5 rounds par vague et 5 vagues. Derrière. Ah bah c'est bonne aide, c'est Bah c'est, en fait, c'est que des boss qu'on a vaincus dans l'histoire principale, en fait. Oula, 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 oula. Vache, et... Heureusement que tu lui fais du dégât, parce que... Ok. Parce que moi, je lui fais rien, hein. Oui, il y a quelqu'un quelque part là. Ouais, il y a là, bandit ravageur. Après, bon, ce DLC. Et du coup, le butin, il est ici. Le butin. Si tu viens ici, au milieu. Okay. En gros, voilà. On a le butin. Et du coup, il faut le récupérer. Ouais. On récupère le quand même, hein. Parce que en gros t'as les vagues d'après qui continuent. Voilà. Donc on a fait le premier round. Et normalement ça va recommencer pour le second, je crois. Si je dis pas de bêtises. Tu vas pouvoir ressortir ton Rocket Launcher. Et voilà. Du défi Rocket Launcher.
Donc là, le défi, c'est si t'es un rocket launcher, on le prend et... Obligé ? Et non, mais c'est en gros, tu fais plus de dégâts avec le rocket launcher. Et ça recommence, donc c'est parti. Alors, je ne sais plus, je crois pas qu'il y ait de limite de temps. Alors, il y a des mecs qui arrivent sur nous. Derrière toi. Ouais. Voilà. Et en gros, là, actuellement, tu vois, genre, ils peuvent être plus précis. Il y a des bonus, des malus. C'est pas rocket, hein. Non, mais en fait, c'est si tu fais plus de dégâts avec ton rocket. Ah. C'est des modificateurs, en fait. C'est en gros pour tout le round dans cette arène, tu feras plus de dégâts dans les roquettes. Avec les roquettes. Mais par contre, tu peux avoir des bonus et des malus. C'est ça l'inconvénient. D'accord. Donc il doit en rester un. Ouais, il est quelque part en face de moi, mais je le vois pas, il doit être derrière. Alors moi je le vois pas du tout sur la minimap. Non, je me sers de la boussole. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai une copie. Ah, il est au-dessus. J'avais complètement zappé qu'il y avait la boussole. Ah oui, il est là. Hop, c'est là. Ouais, j'ai pris la mitraillette de DLC. Et du coup, là, pareil. Hein. Récupérons les méga packs de munitions. Récupérons-en aussi de ton côté. Ça, t'en as récupéré ou pas? Ouais. Okay, donc là, prochaine... Donc voilà, les ennemis, ils se régénèrent. Oh, génial. Donc là, c'est eux, les bugs des flingueurs, c'est les mecs qui nous attaquent à distance. Ah, c'est pas plus de dégâts au petit pistolet? Là, non, là, il n'y a plus les dégâts de... Oula, qu'est-ce... C'est où? Ah, c'est moi. Il y a plus du tout de... Le lance-roquette fait pas les... Il y a plus de bonus de dégâts pour le lance-roquette. C'est juste que la vie des ennemis maintenant se régénère. Au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il faut les tuer... en premier. Donc voilà, Roland, alors que Roland n'est pas dans notre équipe. Ah bah si, c'est moi. Je dis, ouais, c'est vrai. C'est moi, Roland. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y en a encore un. Il est où? Il est où? Il est en bas. Descends pas. Hop, et du coup là, on va régénérer full vie et full bouclier. Je vais attendre que tu aies terminé le round avant de te féliciter, d'accord? Il prend les munitions là dans le pack, dans les packs. C'est juste à marcher dessus, hein. Voilà, hop. Les magasins ont des nouveaux stocks, ouais, ça c'est pour... Alors qu'est-ce que ça va être le bonus? Et en fait, au fur et à mesure des rounds, les bonus apparaissent avec des armes de meilleure qualité. Aïe. D'accord. Et en fait, tu vois, genre là, on est round 2, il y a un bonus ou malus. Round 3, il y en aura 2. Round 4, etc. En fait. Et là, c'est la horde. Et ils ont des armes beaucoup plus que nous. Donc, ils sont embêtants, ils nous mettent que des brûlants. Oh putain, pardon. Est-ce que t'arrives à en tuer? Oh non! Oh non, c'est... De... Non, t'inquiète, moi c'est bon. Non mais c'est... En fait c'est toi qui me tue. Quoi? Comment ça je te tue? Mais tu t'es avec ton lance-roquette? Non, pas du tout, je suis au snipe. C'est quoi qui nous explose alors? Il nous balance des grenades? Quoi? Je suis remords. Mais j'ai... Non, c'est eux qui nous tuent en fait. Attends. Derrière toi. Ah, mais c'est. Waouh! Non, je suis mort. Je suis tout seul. Ok, je suis dans une cage. Ouais, donc t'es à la cage en dessous et du coup tu peux les. En fait, ils vont t'attaquer toi. Ouais, je fais quoi?
Mais reviens. Ils tournent autour de moi en bas, par contre, je les vois pas. Bah si, avec le snipe, tu peux. Mais attends, mais ils font tout le tour, là. Ouais, c'est bon. Normalement, tu vas respawn, je crois. J'espère. Tu respawn pas, là. Je suis en bas. Ouais, ok. En fait, c'est on peut les tuer facile, mais quand c'est des brûlants, c'est embêtant. Donc ça, il sert à rien. Ça, il sert à rien. Ah ouais, si on galère déjà à ce level. Le pistolet inflige davantage de dégâts. Les dégâts infligés par toutes les autres armes sont réduits. Si j'ai bien vu. Donc si t'as un pistolet, on prend le pistolet. Ah oui, donc là, en plus, le pire, c'est que c'est des brutasses. Ok. Alors, ils sont où? Ils sont de l'autre côté. Ah non, il y en a là-bas. Para de la lance. Oui, lui. Derrière nous. Derrière nous. Ouais. Non, fallait pas le tuer. Alors. Vache. Alors, moi aussi, je peux balancer ma tourelle Scorpion. Ah, c'est les techniciens avec. Non, je l'ai pas. Vache. Est-ce que t'arrives à en tuer un ou quoi? J'essaye. Oui. C'est les. Les techniciens, c'est ceux qui ont les boucliers là. Vache. Régène et munitions. J'ai de la vie ici si tu veux. Je vois des choses. Ouais, pareil. Tu prends les, du moment que tu prends les trucs violets. Alors on va repasser sur la mitrailleuse de feu. Qu'est-ce que c'est? Alors, le défi. Ah, c'est encore les pistolets. Encore les pistolets quoi. Oh non. Ouais, mais j'ai pas gardé mon pistolet. Ah, c'est le boss en plus. Par là-bas, par la scène. Oula. Pourquoi je fais 0 de dégâts, moi? Ouais, c'est normal que tu lui fais pas trop de dégâts parce que il faut le taper au fusil à pour. Non, c'est mort. Il y a moyen. Jack, vas-y, tu peux le tuer. Non. Oui, c'est bon. Oh, c'est bon, j'ai réussi à me régénérer. C'était chaud. Du coup, en fait, ils sont en train de bugger, ils font le tour, puis après, ils vont me taper. Et tu vas régénérer. T'inquiète. C'était chaud. Oh la vache! Alors, qu'est-ce qu'on a comme loot? Un revolver qui fait beaucoup de dégâts. Bon, ouais, comme tu dis, ouais. Il n'a pas beaucoup de balles. Dégâts corrosifs, sniper, voilà. Bon. J'ai bien fait de garder la mitrailleuse. Ouais. Oh mon dieu, tu vas finir par me rendre riche si tu continues comme ça. Donc voilà, troisième manche. Oh, encore une fois, la dernière. Après, je te laisserai te reposer. Alors, qu'est-ce que c'est? Les joueurs n'ont pas de bouclier, mais récupèrent des points de vie lentement. Oh non! Ah, génial. On est des chips! Oh non, c'est horrible! Mais en face aussi ou pas? Non, en face, eux, ils sont, tu vois, en mode normal, là. C'est... Alors, on va se mettre là, on va mettre la compétence. Tiens. Oui, c'est derrière, en plus. Il est où, celui qui nous tape, tire dessus, là? Ah ouais, je suis loin, hein. Et il est tout là-bas, non mais sérieux. Putain, il est tout là-bas, il faut aller tout là-bas. Il est tout au fond. Là, toi t'es mort.
Ils sont sur les côtés. Ouais. Derrière toi. Y'a rien. Ah oui, oui, non, derrière toi. Y'a le skag. Alors. Il est mort. Après, il y a moyen de bouger, hein, si tu restes collé près d'un mur. C'est fini. Ouais, attends, parce que s'il faut que le. Faut que le bonus. Enfin, le bonus malus bouge. Voilà, donc le bouclier va se régénérer. Les shotguns affichent plus de dégâts. Oh, si t'as des shotguns, vas-y. C'est le fusil, ça? Fusil à pompe. Ouais, non, j'ai pas. Ah, moi, je... Alors, ils sont où? Derrière nous. Allez, je suis grièvement touché. Alors, je vais attendre, je gêne un peu ma vie. Oups, heureusement que j'ai monté le level de mon fusil à pompe. Les tue pas, Jig, sinon je peux pas régénérer. Ouais, là, il faut que tu me régénères. J'étais très bon, c'est bon. Ah, le fusil. Ouais. Ah mais c'est une scorpion ennemi, putain, je m'approche. Ouais, quand c'est rouge, c'est... Il en reste plus qu'un. Ouais, trois encore. Je te régène. Levez-vous, soldat. Attends, bouge pas. Hop, c'est parfait. Il y en a un sur la... Enfin, un gauche, un milieu. Après, ça arrive vraiment. Il y en a un là-bas. Voilà. Heureusement que j'ai pris le passif pour mourir, j'ai mort, la vache. Et c'est bon. Oh la vache. Alors, régène de points de vie. Il régène munitions. Et n'hésite pas si jamais à changer d'arme pour que tu recharges automatiquement toutes tes armes. D'accord. Tu vois, pour être sûr de vraiment... si jamais tu dois la switcher d'arme. Alors, le combat rifle affiche davantage de dégâts. Donc c'est le fusil d'assaut. Et c'est la vague des brutasses. Ah non, c'est la vague de horde. Attention, ça spawn beaucoup. Il va falloir courir. Punaise déjà. Mordecai est à fond. Jamais. Oh la vache, j'ai chier. Heureusement, j'ai récupéré toutes les armes. Ouf, c'est bon. On a fait chacun notre pack. Ouais, c'est ça. Alors, heureusement, et encore, toi ça va parce que t'avais le sniper, le gros snipe. Mais moi ça va, j'ai le. Comme j'ai une arme de chaque classe, si jamais elle change. Alors j'espère que ça va pas taper en mode Eridine. Alors qu'est-ce que c'est maintenant? Les ennemis. Oh non, les boucliers ennemis se régénèrent. Oh non. Ça ne me pose pas de problème. Et c'est la vague des brutasses en plus. Et en plus ils spawnent tous là-bas. Encore. Ah, tu devrais descendre. Il y a déjà un de mort. Il y en a encore un qui arrive sur moi. Même si c'est un bandit brûlant. J'allais dire sanguine, elle bouge pas, mais. Puis après, il y a le boss. Alors, ils sont où les deux? Il y en a un derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'est caché là-bas. Quoi? Oh,
là, lui il est mort. La boussole, qu'est-ce que la boussole? Il y en a, je vais arriver derrière sur eux. En plus c'est des brutes. Et le boss, donc le boss il arrive par là-bas. Donc attention. Hop, alors le boss il arrive où il y a le XX. Le mieux c'est de mettre ma tourelle. Qu'est-ce que c'est? Non, on me dit pas que c'est le bouclier des ennemis. Oh non, elle garde le même, les mêmes règles. Oh, elle est méchante. Ouais, alors si jamais tu peux t'agenouiller hein, devant ma tourelle, c'est pour le bouclier. Hein. Ah oui, d'accord, en fait, dès qu'ils spawnent, ils ont une réduction de dégâts. Ok. Oui, d'accord. C'est quoi ce bordel? Et vas-y, c'est bon. T'arrives à le... La vache, tu fais trop mal. Allez, mini sauron, laisse-moi tranquille. Il y a un brutage derrière. Ouais. Ouh, vache. Alors, le loot au milieu. Le loot au milieu. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Nul, Germain, nul. Ils sont déjà mieux. Ça, ça me plaît. J'adore. Continue. Voilà. Alors. Quatrième, troisième, je sais plus. Je viens de faire un parallèle là, mais le cirque qu'on voit couleur en mode cirque, jonglage et tout, c'est en fait on est dans le cirque traditionnel romain où on est des combats de gladiateurs. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est l'underdog. Alors là, du coup, les ennemis ils ont 2% de vie en plus, ils font plus de dégâts et plus de boucliers. Et on fait plus de dégâts avec nos pistolets. Si t'as un pistolet, profite. Là. Il y a un Skag. Et il y en a encore un derrière. Il est où? Je suis à côté. C'est quoi ça? C'est un Skag qui reste ou c'est un mec? Skag. Ah, c'est un Skag. Ok. Tu commences à te sentir en confiance? Leur track. Ouais, ouais, c'est l'avant-dernier round. Oh, il y a moyen qu'on finisse le DLC ce soir en fait. Alors, le bonus c'est quoi? J'espère que t'as un bouclier solide. Ah, okay. Vise davantage avec de précision. Et en plus, c'est la vague des flingueurs. Tu devines ce qui va suivre? La vague des flingueurs. Donc, la vague des mecs qui tirent à distance. Yes, I. Déjà que les mecs ils visaient en mode sniper alors qu'ils avaient des fusils à pompe. Il reste plus. Après, vous voyez. Grenade, est-ce que ça passe? Non mais sérieux?
Mais du coup... Ah non, non, non. Ah, Jack, meurs pas, meurs pas, meurs. Ah non. Attends. Ah, c'est mort. Attends, attends. J'essaie de respawn et de le tuer. Je suis un second souffle. Ah, ouf. Ouf. Ah, vu qu'il tourne, je peux... Est-ce que tu vois mes tirs? Il est mort. Si tu te mets là, je peux te régène. Attends, t'es où? Ah bah t'es juste en dessous. Ouais voilà. C'est bon, je peux te heal. Il en reste un. Il est où? Ah, je l'avais pas vu, il était caché. De toute évidence, il va falloir tester un peu les choses. Parce qu'en fait, et là c'est vraiment. Là c'était un genre de bug parce que je l'ai tué avec le dégât de feu. Mais je suis mort en même temps. Du coup ça m'a pas régène en fait. T'as dû le tuer juste avant le second souffle. Ouais, je pense, ouais. La vie des joueurs se dégrade progressivement mais se régénère lorsqu'ils tuent un ennemi. Oh mon dieu. Et on... Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie va baisser au fur et à mesure. Et pour qu'elle se régène, il faut les tuer. Et c'est la vague des Brutas. Vache! Ouais, parce que c'est les mecs. On arrose et on les crève. C'est les vieux brûlants. Ils tombent. Ah non, c'est la horde. Allez, on peut le faire. C'est good. Régène de munitions. Hop. Là, t'as des munitions et t'as de la régène. Donc là, c'est la vague des Brutas. J'ai l'impression que tu dis ça à chaque fois. Oui, bah ouais. Bah, tu sais, ouais, je vais me répéter tout le temps, de toute façon. Ah non, mais sérieusement! C'est quoi ces malus, quoi? C'est l'heure de la vague brutale! Alors. Là. On se cague déjà, un de mort. Deux morts, attention derrière nous. Sur trois? Attends, y'en a. Bon, bah ça va en fait! C'est tout? Ouais, ils étaient que trois. Bon, tant mieux. T'as les munitions, ils sont ici? Ou je sais pas si t'as réussi à en choper ou pas des munitions? J'ai eu un stack. Stack, ouais, bon, ça. En fait, ça te le met. Automatiquement full hein. Les méga. Voilà. Et du coup on est sur le boss avec le même bonus. Donc le boss voilà, il spawn par là-bas. Il fait plus de dégâts. Alors te colle pas trop lui parce qu'il va être. Tu devrais reculer. Parce qu'ils sont en. Je vois pas, il est là. Et la vache, tu lui fais trop de dégâts, c'est horrible. En fait, j'ai juste une carrière de support. En fait. Encore, après, ma machin, elle est pas. Mon arme, elle est pas. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais. Encore derrière. Oui. Ah oui, c'est vrai, il faut tuer les sbires. Je me sens mieux. Voilà. Encore un. Il est... Ah, il est caché là-bas. Il est... Alors, qu'est-ce qu'on a comme loot? Ah vache, mais c'est pourri comme loot. Ouais.
Et le dernier round. Et on aura fini, Narine. Enfin, dernier round. Dernière manche. Bien joué, bien joué. Je dois l'admettre, ça fait du chemin. Qui s'occupe de vous? Qui vous donne ce que vous voulez? Vise plutôt le corps. Les coups critiques sont inoffensifs, les rocket launchers affichent plus de dégâts. Ok. Donc là, ça sert à rien de viser la tête. Hein. Okay. Et ils sont tous là-bas. C'est bien, c'est que les Skags ils se battent avec. Quoi. Ça, c'est cool. Juste à attendre, ils vont se tuer entre eux. Et ouais, ils sont beaucoup là-bas. Ils sont là-bas dans le fond. Se rapproche, c'est horrible. C'est bon, il est mort par le feu. On a deux là. Ils sont où les deux qui sont là? Ah, mais c'est des nabos! Non. Pourquoi la duc? T'inquiète. Il y en a encore un? Il est caché, je suis sûr. Oh, voilà. Hop! Tu l'as bien mérité. Et du coup, point de vue du lore, bah, techniquement, c'est toi qui as remporté l'Underdome. D'accord. Au point de vue du dôme, c'est ton personnage Mordecai qui remporte l'Underdome et qui... Alors se déplace et recherche plus vite et les coups critiques sont toujours inoffensifs. Et en gros, tu vas devenir le quatrième mari de Moxie. Parce que, enfin, comme je sais pas si t'as... Mais non, t'as pas eu les cinématiques toi au début. Non. Et en gros, Moxie, elle fait tout ça pour avoir un quatrième mari. Pour savoir qui sera le plus beau, le plus brutasse. Ah mais c'est bon là. Ah mais d'accord, on est encerclé. À droite c'est bon, t'inquiète. Je ne lâche pas le bouton. Sur nos pieds. On sent que c'est la dernière vague. Hein. Et c'est que le premier round, hein, c'est ça le pire. Si on est méchant. Si on meurt, on recommence de zéro. Si nous tous les deux, oui, on recommence le round. Le round, pas de zéro. Non, on recommence. Alors on recommence le round, donc on recommence de 5... Ok. Enfin, on démarre la manche complète, je crois. Il y en a encore un. Et il est là-bas dans le fond. Il est où? Il est là. Félicitations, t'as du talent. Donc oui, ouais, Moxie, elle fait tout ça pour avoir un quatrième mari. Comme quoi, parce qu'elle veut le plus brutasse de tous les maris. Et son troisième mari, c'était Marcus. C'est pour ça qu'il y a des portraits de Marcus. D'accord. La précision du joueur est réduite, mais les attaques infligent davantage de dégâts. D'accord. Donc là, c'est la horde en plus. Et on fait plus de dégâts au cac. D'accord.
Et on a... Donc le cours. Ah alors, fusil à pompe, c'est horrible. C'est moi. J'essaie d'arriver vers toi. Ils vont trop. C'est bon, second. Je sais pas comment, mais il y a eu le second. C'est horrible. Non, je passe là. Ça va, j'arrive à me. Bug. Sérieux, maintenant ils attaquent à distance. Là. Le fusil à pompe il fait du bien. Ça, un vétéran. Attends, j'arrive. Ah ouais. Voilà. Tiens, t'as de la vie, ouais. Prends de la vie partout. Des molécules. Et moi, je suis. Bref, bien joué. Cette vague était chaude. Hein. Ouais, et c'est pas. Il y a encore deux vagues. C'est ça le pire. Et le pire, c'est que de, en fait, se déplace et recherche plus vite. Oh mon dieu. C'est les brutasses. Et en fait, on a, les coups critiques, c'est une. Les coups critiques changeront jamais en fait. C'est encore pire. Les brutaux. Ils sont. C'est quoi comme brutaux? C'est des brûlants. Et ils courent plus vite que nous. Oui, c'est bien. Sanguine, elle a réussi à faire le taf. Il y en a à droite. Ils font sur nous. Ouais, je suis. Pour les viser, c'est chaud. Ouais. Non, mais c'est bon! C'est chaud, c'est chaud. Mais... La vache, il mouche trop, c'est horrible. J'ai eu un recul là. Ouais, c'est parce qu'il te. Ah, il faudrait que tu me. Il vienne me heal là. Tu viens me heal, toi, tu viens me heal. Non, c'est... je suis mort. Essaye... cours. Cours, t'es tout seul si. C'est bon, là, il y en a encore un. Il est où lui? Ah, je. Ah oui, je peux le viser. Oui. Ah la vache. Elle est encore plus dure celle-là, la vache. Et là du coup c'est le boss. J'ai pas toute ma vie. Bah t'inquiète. On prend pas d'XP j'ai l'impression par contre. Bah non parce que c'est... Enfin, on en prend un peu mais pas vraiment beaucoup. Et là du coup c'est boss et même bonus donc pas de coup critique. Et il se balade plus vite. Il est capable d'envoyer promener ses ennemis à plusieurs centaines de mètres. L'anéantisseur. Oh mon dieu. Il course 200 fois plus vite que nous. Allez, on bourrine, on bourrine. Encore un, il est où?
Il est caché. Alors, qu'est-ce qu'on a comme loot? Et là, du coup, c'était la preuve. C'est fini, normalement. C'est génial. Oh! Oh oui! Oh! C'est un quoi? Bah non, mais en fait, tu peux le prendre parce que je l'ai déjà. Sauf que moi, le flingue là, ce flingue que j'ai, il fait 400. Il fait 401 de dégâts. Donc là, normalement, on a fini. On a fini, normalement. Donc, certificat de brutalité. Certificat de brutalité décerné à Draken pour ses prouesses dont Elburia offre à son porteur plus 1 brutalité. 5 vagues, 5 rounds, 5 vagues par pitié. Tu t'en as un ou pas, toi? Dans l'inventaire. Non, mais certificat, t'as pas un truc qui est inventé? Un truc qui a pop? Ouais. Non. Attends. Alors, c'est peut-être parce que j'ai tué le plus de mecs. T'as pas eu le truc de certificat de brutalité Non, je vois rien. Oh, c'est bizarre. Oh, c'était parce que, ouais, c'est peut-être parce que j'ai tué plus de gars. Donc là, on a fini la première map. Et du coup, il faut qu'on sorte d'ici. Et du coup, pour sortir d'ici, sortir de l'Under Dome, je crois qu'il faut aller, il faut monter. Normalement. Le TP il est où? Comment on fait pour sortir? Il y a une porte, il y a... Ah oui, on peut peut-être faire le tour par là. Non. Non plus. Enfin, comment on fait pour sortir? Que ce bordel, y a rien sur la carte. Bah non, mais t'as le truc sortir vers l'Underdome, mais on peut pas y aller, c'est là-haut. Alors, attends, bouge pas. Attends, te colle pas à moi, Mais je peux pas me tuer. C'est sérieux? Je suis toujours à 1% de vie. Mais comment on fait pour sortir? C'est quoi ce DLC buggy? Tu vois un truc pour sortir ou pas? Non, moi il y a juste l'étoile qui dit que c'est quelque chose. Bah ouais, mais c'est là-haut en fait. Mais là-haut il y a rien. Mais ouais, c'est en fait c'est quand on meurt, on est dans la zone. Ah oui, d'accord. Mais non. Bah, peut-être que si on est tous les deux dans l'ascenseur, je sais pas si c'est un ascenseur. Non, bah non. C'est... Comment on fait? Mais bah, c'est sérieux, c'est... on va pas fermer le jeu et relancer. Mais sérieusement. Le pire, c'est que je la vois là-haut et je vois le truc du TP. Alors là, franchement, c'est quoi ce bug? Ah oui, elle est là-haut, regardez. Ouais, ouais, elle est là-haut, mais... Non, mais j'ai pas... Putain, c'est sérieux. Attends, j'ai peut-être dû tirer dessus. Non, ça change rien. Hein. Non, elle est... C'est... D'accord, c'est du dégât. Ouais, c'est juste un PNJ, ouais. Mais même, enfin... Bah non, mais il faut que je quitte et je relance. Ouais, mais est-ce qu'on va pas retomber là-dedans? Bah j'espère pas. Sinon, tant pis, hein. On passera à l'autre DLC, hein, tant pis. Bah vas-y, qui... Ah non, d'accord, il faut faire entrée et retour à l'Underdome. Entrée? Non, c'est bon, je vais le faire. Du coup, il dit... Comment t'as fait? Bah en fait, je fais espace, échappe, et après je fais faire retour à l'Underdome. Ah d'accord. Ah bah non, faut le savoir. Hein. C'est débile, hein. C'est débile.
je te le prends, toi. Alors, on vend la camelote, on vend l'arme. Est-ce qu'il y a des armes pas mal? Non, tout est pourri. Amélioration de stockage de la banque, on s'en fout. Hop. Bon, bah, on peut faire la deuxième arène. Tu me dis quand t'es prêt. Et la quête, c'est faire les trois trucs, hein. C'est pas faire une quête pour rendre. Ah non, non, la quête, c'est faire les trois trucs. Ok. C'est juste ça, faites vos preuves. Donc nous allons dans le Angelic Ruin, donc qui est une map. C'est le même décor ou pas? Non non, lui il va changer, c'est. Là ce sera un décor plus iridien. Ok. Ouais, c'est un peu. Tu vois, ça fait vraiment iridien. Mais c'est toujours là un truc de Coliseum. Voilà, ça change. Tu te débrouilles tellement bien que je peux pas arrêter. Va suivant. C'est toujours le même principe. Hein. Échauffement, distance, horde, brutasse, boss. Vas-y, et triplé, Roland. Ah, du coup, en fait, c'est ça, le truc de brutalité, c'est bien parce que. Parce que j'en ai tué plus que toi en fait. D'accord. Alors ça sert à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi ça sert. Son. Oh la vache, oui. Oh, il est petit. Dieu, tu dis quoi? Il est où le dernier? Et caché là. Là-bas. Voilà. Est-ce que tu réussiras à tenir le rythme? J'en connais qui pourrait. Heureusement qu'on n'essaye pas de faire le défi de Super Mario tuer un ennemi en lui sautant dessus. On l'a déjà fait, non? Ouais, on l'avait fait, mais t'imagines si on s'était dit, allez, on va le faire sur ce. Non, pas ici, non. Non, pas ici. Oui, puisque les boucliers, enfin, je sais pas si tu vois au début de la manche, il dit les ennemis ont plus de vie, font plus de dégâts, etc. En fait, à chaque round, ça change. Si tu regardes, normalement, au début de ce round-là, elle va te marquer les ennemis ont autant de pourcents de dégâts en plus, etc. Tu vois, ils ont moins de 4% de santé. Moins 6 de dégâts parce que c'est la route de la manche 1. Il a vraiment la tête ailleurs. En plein. Oh non, c'est pour m'attaquer. Moi aussi. J'essaie de. Tu mens. Ouais, t'inquiète pas, ils viennent sur toi et puis après ils vont foncer sur moi. C'est. Regarde, c'est le pattern des. Ah bah non, même pas, c'est. Carrément, ils sont bloqués en dessous. Ils veulent t'attaquer toi, mais. C'est quoi ce bug? Moi je fonce, c'est n'importe quoi. Je crois que moi aussi je délire. Ouais.
Non, j'ai bug du ramasser en plein milieu. Alors. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Tiens donc! La vague brutale! Ah, d'accord, je suis en plein milieu moi. Là, j'ai... Ouais, c'est bizarre, des fois ils spawnent, des fois ils spawnent pas. Enfin, tu sais pas trop les endroits où ils vont spawn. C'est bon! Elle tourne. Il ne reste plus trop lent. Peut-il y arriver? Et où le dernier? C'est bien, c'est que si c'est la Scorpio, je m'en fous. Faut tuer le... Il est où? Ah, il est là. Hey, regardez qui tire depuis la zone de pénalité. Ouais, t'as vu, elle te... Une zone de pénalité, pas une zone de tir. Ouais, non, ouais, c'est la zone de pénalité, ouais, quand tu meurs. Alors, round de boss, donc il va spawner par là-bas, normalement. Si j'ai pas de bêtises. Y'a pas le X là-bas là? Regarde. Ah oui, si, oui, c'est oui, t'as raison, c'est le X. Neuf orteils, premier boss du jeu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces petits skags. Ok, d'accord, les skags ils explosent maintenant. Si avec ça je te fais pas le défi de faire des dégâts de feu, je ne comprends pas. Alors, qui a fait plus de morts dans cette vague? Où le loup? Toujours le mieux. Pourri. 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 Ouais, bon. Ah, ah d'accord, le loot disparaît, d'accord. On a 5 secondes quoi. Oui. Voilà. Ouais, c'est parti. J'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller dans ce round. Oh, niveau gameplay, c'est pas ouf hein, ce DLC là. Les armes ennemies ont des plus gros chargeurs. Et on commence par la vague d'entraînement. Tu sais me prendre par les sentiments, mais ça risque d'être plus dur avec ça. D'accord, il spawn à gauche. Heureusement, ils se sont rattrapés dans le troisième DLC où là t'as vraiment beaucoup plus de quêtes et t'as beaucoup plus de lore. Quoi le certificat que j'ai eu en fait? Laisse-moi m'occuper de toi et je t'enverrai en orbite. La horde, attention. Ah non, les flingueurs. C'est l'heure de la vague des flingueurs. Ils spawnent où? Ils spawnent derrière nous. Aïe 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 aïe. Eh, hey, je suis une chip, c'est horrible. Derrière nous. Ah. C'est moi ou la pesanteur, elle est réduite ici? Ah oui, d'accord, c'est ça le bonus de la pesanteur, j'avais pas vu. Yes, d'accord.
Oui, c'est comme si on était dans Borderlands, pas séquelles. Les gens sont comme des atomes, et les raons, ce sont des molécules. Et moi, je suis... Tu es le noyau. Bien joué. Oui, c'est ça, la gravité. Alors, les ennemis esquivent plus facilement les attaques. On s'en fout, c'est la horde, donc ils vont nous foncer dessus. Prépare-toi à courir. Laisse-moi derrière. Jack qui balance sa grenade collante. Bah oui. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est qu'avec l'occupation derrière. Cible touchée. À gauche. Non, le dégât est à terre, mais est-il éliminé? D'accord, d'accord. De toute évidence, il va falloir porter un peu les choses. Vous êtes la vie ou pas? Tu vois des cubes roses ou pas? Non. Ah, gravité est réduite, donc attends, bouge pas. Quand j'espère te voir, bouge pas, bouge pas. Hop. Heureusement que je peux te guider. Potasse. Derrière nous, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Ah d'accord, il y a des irradiés en plus. Ah oui. Ah, c'est bien, ils se battent entre eux. Oui, ils sont en train de tout pousser ton cadavre. Ouais, en fait, toi, contre les irradiés, t'es carrément beaucoup plus fort que moi. Ouais. Ouais, c'est... Ils ont quasi que dalle de vie. Au-dessus? Mais il est où? Ah là, il est caché derrière le poteau! De la vie, il y a de la vie là-bas. Il y a de la vie ici, les Jack. On est sous mes pieds. Ouais, ok. C'est good. Munition, c'est bon. Pépé. Encore la gravité! Et là c'est le boss, non? Oui, c'est le boss. Donc le boss c'est qui? Faire la connaissance du nouveau boss venu spécialement du site des fouilles. Le ah bah encore lui. Sur toi ou c'est moi? Oui. Loot. Sinon il est prêt, il va disparaître. Alors. C'est un peu Noël. Oh, sniper, il m'intéresse. Vas-y. Il fait du dégât de 500. Et le fusil à pompe, il m'intéresse pas. Alors, c'est quoi le bonus? Ah, si, ça peut toujours être la gravité réduite, c'est cool. Tu m'impressionnes.
Ah oui, donc c'est ça en fait les résultats. Je sais pas, tu les vois ou quoi? Non. Ah d'accord, donc en fait là dans les résultats, moi j'en ai fait. En fait, j'ai fait 35 victimes. Toi, t'en as fait 15. Et après, il y a un total en fait. D'accord. Du coup, là sur le round 2, moi je suis à 72 victimes et toi 23. La dernière. Après, je te laisserai te reposer. Menteuse. Les ennemis esquivent plus facilement. Alors, est-ce qu'ils se pointent derrière nous? Vache. C'est bon ou ça il bug ce sol? Oui. Ouais, on est d'accord. Je suis pas le seul. La lumière du sol est pas cool. Donc, derrière nous. Ça m'énerve, ça me donne de l'épilepsie là. Ils se cachent derrière des coins de mur et tu peux pas les toucher après. C'est pas parce que tu as survécu à cette vague que tu es invulnérable, loin. Munition. Alors du coup, quand je reçois des munitions, t'en reçois aussi ou pas? Je sais pas. Tu vois pas le message qui dit vous avez reçu l'objet ou un truc comme ça? Ah non, non, je vois Drakan a reçu. Ah d'accord, ok. Alors, par ici, par là-bas. Moi, j'aurais dit encore plus loin, sinon. Je crois que ça va laisser des marques. Quoi là? Ohé, ohé, je sais pas. Ah oui, ouais, c'est ça. Hein. Je sais qu'il écrit un nom. Plus de 3 ennemis. Tu peux pas m'échapper! Ils se font étriper comme ils le méritent! Regardez tout ce sang! Non, non, je veux les missions. Récupère-en la mission, t'en as une. Je cherche. T'as une caisse juste là. Les joueurs n'ont pas de bouclier mais récupèrent des points de vie. Oh non. En plus c'est la horde. Va falloir courir. Par où il spawn? Il spawn par là. Là. C'est bon, c'est bon. Les joueurs n'ont pas de bouclier. Non, c'est bon. La santé des ennemis se régénère. Et c'est la Brutasse. La Brutasserie. Voilà les vilains méchants. Ça promet. Il spawn là-bas. D'accord, ça spawn aussi derrière.
Ils sont. Et il y en a plus que deux. En plus, c'est des vrais eux. Oh là là, lui. Ouais, il pique. Le dernier, le but de la brutesse féroce, elle pique. Hein. Et en plus, il fait des dégâts électriques. Check, il fait exprès de se mettre devant mon viseur pour que je le régène. Ah non. Ouais, on t'a tous vu. Hein. Boss, donc là-bas. Troisième. Troisième round, ouais. Et la vie des ennemis se régénère. Aïe. Check, c'est un taré, il va juste devant le boss, quoi. Il y avait des sous. Maître Cloud. Ah non, Mac Cloud. Ah mais non, mais Jack, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai besoin de toi, Jack. Et le loot. Alors. Nul. Pardon. Merci. Ah, 104 à 37 hein. Mais j'ai pas dit que j'étais bon, moi. Mais je vais encore avoir... c'est quoi? Tu devrais regarder à quoi ça ressemble sur... Je regarde vite fait. Les coups critiques affichent des dégâts supplémentaires. Les dégâts des coups critiques sont doublés. Et ben c'est parti. Non, faut pas que je me mette là, sinon je vais avoir mal à la tête. En plein dans le mille. Ça c'est une manche pour Jake. On est deux. On est deux et j'ai pas d'ennemis à côté de moi. Non. Moi non plus, Jake, non. Mordecai est tout seul maintenant. Va-t-il y arriver? Ah non, c'est mort. Second souffle. J'essaie de. Ouais, je me planque. Je sais pas si tu me vois. Mais je me planque. Ok, tu me vois. Va démouler! Ah, vas-y, tu peux. Ah mais Jake, mets-toi sur la corniche. Oh, c'est chaud. Derrière toi. Oh non! Oh non, je l'ai tué. J'espère que c'est le dernier, lui. Non. Bah si, c'était lui le dernier. Oui, bon. Mais non, il n'a pas encore un point. Mais ouais, mais techniquement... Oh, c'est nul. Techniquement, j'avais tué le dernier. On va réessayer. Mais ouais, mais c'est tout des coups critiques, c'est naze. Alors attends, on fait le round depuis... Boss, donc normalement, c'est bon, non? On n'a pas beaucoup à faire. On fait le round depuis le début ou c'est... Où on doit se taper toutes les manches là. On passe en mode violence. Oui, c'est ça, on doit taper toutes les manches.
Je sens qu'on va pas le finir le DLC. Ah non, round 3 sur 5. Ah non, ouais, ouais, c'est ça, ouais. On était arrêté à quelle manche? On était à la 1 ou la 2? Non, on avait fait 3 boss. Ouais, mais la manche où on est mort, là, c'était la première ou la deuxième? La première de après le troisième boss. Ok, bon, ça va, on est toujours à la bonne. C'est bon, ça va. Ça va, ça va. Ils sont là-bas. Ils sont tout au fond. Juste en dessous, t'as des munitions. Ouais, c'est bon. Ah, mais, ah, ça va, les coups critiques sont inoffensifs. Celle-là, je l'aime bien. Même pas moi. J'aime bien. Ouais, mais toi, ça va, même que tu fais pas des coups critiques, tu passes par les boucliers. Donc, c'est de la triche. Roland est en train de les massacrer. Il est où l'autre? Yeah. Mais il est où lui? Il est où? Et en même temps, tu fais des flammes sur tout le monde, donc c'est normal que tu tues plus de monde. Bah oui, c'est ça que j'ai. C'est la mais ma maîtresse, elle fait 99 de dégâts, mais comme je fais. Comme c'est une mitraille qui tire énormément, bah ça fait beaucoup de dégâts. Après t'es pas obligé de prendre ton snipe non plus, hein. Tu peux prendre aussi une mitraillette. Ah ouais, je suis bien, mon snipe j'aime bien. C'est... Tu vois genre par contre, tu vois quand t'as les... la horde avec les sadiques brûlants là, bah je leur fais quasiment que dalle comme dégâts puisqu'ils sont immunisés au feu. Bon ça, et en parlant de la horde, bah, courez, hein. Ils sortent par le trou des murs. Les ennemis ont des boucliers plus solides, oh non, mais ça y est. Bah ça, je m'en fiche. Ouais, voilà. C'est une... J'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Par contre, on prend vraiment 0 XP. Peut-être, bah c'est peut-être quand on aura la... On est pas là pour l'XP, Jake, on est là pour le beau jour. Pourquoi ils sont tous sur toi? Aïe. C'est bien, ils attaquent ton cadavre. On charge toutes mes armes. Les Brutas, on va pleurer. Les pistoles ont fait plus de dégâts. Tu vas pouvoir utiliser ton pistolet et rien d'autre. Que le pistolet? Bah ouais, en fait le pistolet fait plus de dégâts et le reste fait moins de dégâts. Donc Et en plus il spawn juste à côté. Oui bah vas-y c'est bon. Allez, battez-vous entre vous. Ouais, non, mais... Sérieux. Je peux te soigner par-dessus. Mais c'est bon! Juste du viser dans les pieds là. Non, parce qu'après on a les Iridiens à tuer. C'est vrai que je suis bête. Je vais lancer ma grenade. Ah
vrai, ben, si à pompe, il fonctionne très bien. Il y a encore des Iridiens derrière. Debout, soldat. Attends, bouge. Je fais des Iridiens là-bas. Alors, si jamais, n'hésite pas à mettre son guide. Hein. Voilà. Et le boss. Ah non, c'est pas les bruits. Non, c'est. Pas encore, c'est la vague d'après. Oui. Non, si c'est le boss. On était au Brutus. Là, oui, c'est le boss. On va voir si tu les reconnais. Taylor Cobb. Celui-là, c'est Taylor Cobb. Ils ont tellement pas de charisme, les boss, je me souviens même plus. Ah, lui, par contre, lui, oui. Oh. Il fait mal avec leur cob. Deux vagues encore. Celle là on attaque la vague 4. Donc il y a la vague 4 et la vague. Enfin le round 4 et le round 5. Mmh. Ah bah chef. Oh mon dieu. Tu vas finir par me rendre riche si tu continues comme ça. Attends, j'enlève la carte. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous entends pas. Ah ouais, c'est bête qu'on gagne pas d'XP. Ah ouais, ça fait vraiment. Les SMG infligent davantage de dégâts. Oh, c'est parfait, c'est un SMG que j'ai. Tu te débrouilles tellement bien. Mais si on peut garder ce bonus tout, pendant tout le round, moi ça me va. Hein. Respawn ou pas? Il est où le dernier? Il est là. Je crois que j'ai taché ma robe. Quelle horreur! Au fait, bien joué, hein. On se fait. Allez. J'adore celui-là. Avec l'esquive, tes ennemis seront difficiles à atteindre. Ils vont tranquillement esquiver tes attaques. Tadam ! C'est l'heure de la vague des flingueurs. Après, s'ils mettent des gros malabars qui peuvent pas esquiver, c'est pas utile. Hein. De courir, Michel, reviens. Voilà. Tu commences à te sentir en confiance.
Ah non, c'est pas un SMG que j'ai, c'est un repeater. Ah non mais regardez comment il est privilégié, messieurs dames. Oh. En plus c'est la horde, les mecs ils te foncent dessus, ils te collent mais t'es au cul, c'est le snipe quoi. J'ai pas beaucoup de level en snipe, c'est chaud. Bah, il est où ? Il est là. Juste comme un caca en plus. Mais ah. On va voir le rapport. Niveau SMG, ah non c'est bien SMG que j'ai. Niveau SMG je suis level 17. Ah non, on est obligé de tuer des gens sinon on perd de la vie. Voilà les vilains méchants. Et en plus c'est le level le plus chiant. C'est quoi ça? C'est quoi qui nous tire des lance-roquettes là? Je sais pas. Ah c'est lui là-bas. Parade de la lance là. Il y en a encore derrière. Allez, le boss. Et on aura plus qu'un round d'affaires. Et on aura fini cette zone. Alors du coup, vu qu'il restera encore 25 rounds, est-ce qu'on fait les 25 rounds ou on fait... Moi je suis pas pour les faire. Ok, bah let's go. Alors, quel boss? Encore. Alors le loot. C'est un peu Noël. Franchement, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce jeu. Il y avait rien du tout. Ça nous fait juste de l'argent en plus. C'est tout. La vie est un cycle. Tu viens de faire ta révolution. T'es à 97 kills de moi. Comment ça va ce soir?
J'ai cru que j'avais fait 97 kills, j'étais là, pardon. Non, je suis à 171, t'es à 73. D'accord. Ah, les ennemis ont fait plus de dégâts et... Oui, d'accord, carrément. Donc c'est le dernier round de cette arène. Ouais, c'est ça. Et ils font carrément plus de dégâts et ils ont plus de précision. Et allez, ils ont tout pour eux, quoi. Ouais, ouais. Oh, c'est bon, je peux me gêner. Je peux pas. Qu'un là-bas. Alors du coup, je me demande, comme il donne pas d'XP, est-ce que ça... Aïe. Est-ce que ça donne de l'XP d'arme? Est-ce que ça donne de l'XP d'arme? Alors. Des munitions, s'il vous plaît. Alors les ennemis se déplacent plus... Ah non mais sérieux quoi. C'est horrible. Tu devines ce qui va suivre? La vague des flingueurs. Ah bah ça y est, je suis déjà mort. Mais sérieusement. T'es où? Oh ouais, non moi aussi. Ah ouais non mais là c'est horrible. T'as un second souffle? Essaye de tuer celui, le bruit à gauche. J'essaye. Il a vraiment la tête ailleurs. Non. Une épée dans la cave. Et il bouge, je vois rien. Oh non. Ah, c'est chiant que ça devienne de plus en plus noir en plus. Oui, bah c'est bon, on a perdu. Voilà, et du coup, on verra est-ce qu'on recommence au round 2. Enfin, à la manche 2. Oh, Pandore. La salle des quoi? Non, ouais, alors du coup, je comprends. On est vague 1 ou vague 2 là? On vient de perdre un round, on est d'accord? Je sais pas. On était bien round 5? Si, on était round 5 sur 5, le dernier. Et là, on doit tous retaper le round 4, puis après le round, de... round 5. On n'a pas fini, hein. Oh, on va tous retaper quoi. Ouais, mais bon, enfin, ils auraient pu nous faire mettre au round 5. Et, enfin, tu vois, on était au round 5, vague 2. Ils auraient pu nous mettre au round 5, vague 1, pas nous faire faire la round. C'est débile. Donc t'imagines, on peut avoir round. Enfin, le dernier round, mais genre l'avant-dernière manche. On va tout refaire. Le public est en forme ce soir. Ben, ça va. Ça va s'arrêter si c'est ça, je te le dis tout de suite. Hein. Je vais pas rester jusqu'à 3h du matin. On n'aura pas fini sinon. Ta santé se dégrade. Ah bon, ça va, cool. Ça bouge pas. Tu es un méchant pour moi et je verrai ce que je peux faire. Heureusement que c'est le week-end. Alors, les flingueurs, ils spawnent juste derrière nous.
Oui, on est pris en sandwich. Mais arrêtez de courir. Allez, tu t'envoies là-bas, toi. Mais non, arrête de recharger. Relevez-vous, soldat. Eh bé. Apparaissent avec des armes de meilleure qualité. Ouais. Et c'est la horde. La base de la horde va s'engloutir. Comme ça tu peux en tuer. Non. Oui. Tellement enragé. Au cas où tu aurais pas remarqué, tu viens de terminer une autre vague. Oui, bah ça on l'avait remarqué ici. Allez. Ah mais ça c'est le pire ça. Les brutasses ils courent plus vite. Gardez tout moi, et moi, et moi. Le jeu est trop difficile pour toi. Non, ça passe pas, ça passe pas. Bouge-toi. C'était tendu. Hein. Non. Bon, allez, allez, vas-y, c'est bon. Bon, Dekai est sorti. Je me demande s'il reviendra. Non mais c'est bon, là attends, round 4 sur 5 bruto, je vais faire réessayer, si on démarre le round 4 ça va pas le faire. Hein. Bah, ça me semble normal de recommencer un... Bah, je... bah non mais, si... alors s'ils nous font passer à la vague 3 alors là... Bon, fusil dégâts en plus, ok... Bon, ça va. Ah, plus c'est chiant quand tu tires dessus. Ton viseur il bouge. Mais sérieusement, mais c'est quoi qui me tue là? C'est sérieux ça?
Je me suis pris un tir de lance-roquette de jeu de saison. Essaye de te heal. J'arrive. Vas-y, esprit flair, Roland. Non, 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 non. Tout ça pour une égratignure. Dans le mille. C'était du pain, Roland. Cible touchée. Il y en a encore plein derrière. Un coup parfait. C'est bon, deux autres. Bon, tout, mais pas le bonus empoté là. Faut qu'on reste ensemble en fait. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que moi ce qui m'a tué sur l'empoté, c'est parce que c'est un. Je me suis pris des lance-roquettes de je ne sais où. Ah non, c'est pas les. Voilà, ils sont cachés, on peut pas les tuer. Mais là, je te rase et je meurs derrière. Non, mais j'ai appuyé. Non, mais en plus j'allais le tuer, t'aurais pas dû. Voilà, c'est mort. Allez, on arrête là, Jake. Ah, c'est dommage. Hein? C'est tellement difficile. Ouais. On va pas finir la quête, hein, je te le dis tout de suite. on essaye encore un coup ou pas? Je sais pas. On peut pas faire un. Attends. Pile ou face. Le truc, c'est que si on arrête là et qu'on reprend la prochaine fois, est-ce qu'il faut refaire l'arène en entier? Je sais pas du tout. Je crois qu'on sera bloqué au round 3. On reprendra ce round 4. J'espère. Sinon, il faudra refaire tous les rounds. Alors, pile, on reste. Face, on part. Attention. C'est ta responsabilité. Face. J'ai dit pile, on reste et face, on part, c'est ça? Ouais. Et bah, c'est sur face. Ok. Voilà. Alors, et retourne. Mais ça va bien save, c'est ça ma. Attends. Là, je retourne. Je retourne, parce qu'on va le faire, on va le voir tout de suite. Hein. Donc là, j'ai quitté l'Underdome. On va retourner pour voir si ça recommence ou pas. Non, on va recommencer depuis le début. On va recommencer de toutes les vagues depuis le début. Donc l'arène en entier. L'arène en entier, ouais. Il y a de grandes chances. Eh ben, semaine prochaine, DLC l'armurerie du général Nox, hein. Ouais. Là, du coup, ça fait du DLC arène, ça fait une arène par. À la limite, c'est une arène par stream, quoi, au vu comment on galère. Ouais, et encore, là, on a fait la première arène easy, la deuxième, ouais, on a... Au moins, le deuxième stream, on va au moins faire la deuxième arène. La troisième arène, n'en parlons pas. Parce qu'on est d'accord, la difficulté des arènes est grandissante. Ah oui. C'est, ça grandit encore plus, et c'est... chaque round, ça augmente de dégâts, donc...
C'est pour ça. J'ai pas trop envie. Ça, je l'attaque. On peut vendre les armes. Je pense qu'on. Puis niveau. Je pense niveau amusement, ça m'amusera mieux, je pense, sur le, l'armurerie du général Lox. C'est, t'as quand même un peu plus de lore. Que faire ça. Hop. Alors reprends tes armes au pire dans, de, si t'avais mis des trucs dans la banque. Non, j'ai rien posé. Bon, bah tu me dis quand c'est bon et. Attends, j'ai une hésitation de bouclier. Vas-y, 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 sur moi, je vais chercher aussi, j'ai regardé. 688-85. J'ai sur moi là un bouclier 688, cadence 85, grande capacité. Mais par contre, sinon, je peux équiper un bouclier 786, 100 de plus, mais 75 de cadence de recharge, un peu moins, mais qui a une résistance à la corrosion, c'est peut-être plus intéressant, non? Ouais, il y a pas trop de beaucoup de... je crois que les skag ils tapent au corrosif. Il y a pas trop d'ennemis qui tapent que tape type corrosif. Au pire, tu peux garder les deux, tu peux faire le tu peux les garder quand si jamais dans le DLC, on a un ennemi corrosif. Ouais. À voir. Peu perso moi te... moi chaque fois là mon arme, j'ai encore mon flingue légendaire et ma mitrailleuse légendaire. Que j'ai mis en mode favori, comme ça je suis sûr de pas les vendre. D'accord. Bon, bah retournons à New Haven. Ok. New Haven. Du coup, ce sera à T-Bone Junction qu'on ira après. New Haven, c'est ici. Ouais, non. Et le pire, c'est qu'en plus, comme on est à deux, c'est encore plus compliqué. Les ennemis sont beaucoup plus durs. Ah bon, tu trouves ? Ah oui, non, mais c'est fait exprès. Mais à 1 pour moi, ça, en solo, c'est impossible. Ah oui, non mais c'est ça le truc, c'est que quand on est à 2, plus tu as de jeux, tu as de gens, tu joues avec des gens, plus les ennemis sont forts et tu font plus de dégâts en fait. Ouais, mais quand t'es tout seul, tu peux pas res ni quoi que ce soit. Non, donc c'est pour ça que les ennemis sont moins forts. En gros, quand t'es tout seul, c'est niveau 0. Quand t'es avec un perso, c'est niveau plus 1. Quand t'es avec deux potes, c'est plus 2. Et quand vous êtes full, c'est plus 4, quoi. Enfin, tu le verras quand tu quitteras le stream, si tu regarderas. Moi, en gros, j'ai le message qui dit « Jake Evasond a quitté votre partie. Les ennemis de Pandore sont maintenant plus faibles. » D'accord. Et quand tu te connectes, il dit « C'est les ennemis de Pandore sont beaucoup plus... beaucoup plus... durs. » Alors déjà, est-ce qu'il n'y a c'est pas génial. Moyen de changer dégâts au corps à corps 150, vitesse de 62, dégâts 16, et c'est littéralement le même que j'ai. Puis ouais, si tu veux, on peut après, on pourra peut-être tester, mais faut qu'on chope de meilleurs matos. Oh, grande capacité, moi je veux bien. Je suis en train d'utiliser mes clés. Ah bon. Savoir si on super. Peut choper du meilleur matos. Ah attends. Peut-être le snipe violet. Mais vas-y, vas-y, moi ils font le même dégât que moi. Sauf qu'ils font des dégâts de feu. Non, le violet c'est exactement le même que j'ai sur moi en fait. Bon, vas-y. Hop, et l'autre. Bah, il est moins bon. Ok, mais ouais. C'est un peu Noël ? Oh, non. C'est sûrement bon. Non. Prends-en au cas où, hein, comme ça tu peux les vendre. Super ! Bon, non, les je springs, m'y attendais pas. Tout le monde bon. Oh. C'est génial. Oh, oh. Snipe ça. Oui, c'est deux snipes. Attends, 699. Ils font tous les deux 699, sauf qu'il y en a un qui fait... qui a un peu plus de précision. Et sinon, niveau dégâts, ils font les mêmes. Je prendrais bien le violet. Donc là. Vas-y, prends le violet, je te le dis. Les flingues. Non, les super. Flingues à chaque fois, je moi. M'y attendais non, pas. Mon illimité me va très bien. Hop. Ah, mode de grenade.
100... Oh 111. Moi j'y combat. J'ai déjà du 111, celle qui colle. Ah bah du coup c'est soit celle qui colle, soit celle qui se téléporte. Ah téléporte, ah ouais je la comprends. Ça va être rigolo ça. Alors... C'est un peu Noël ? Les fusils à pompe sont tous les deux moins bons que les miens. Je suis pas très fusil à pompe. Ouais, prends-en, au moins tu pourras le vendre. Ça fera des sous en plus. Bon, j'espère que... Moi, je veux un lance-roquette. Alors, ah, des c'est SMG. Super. Il faut pas être dégueu. Encore des snipes. Super. Encore moins. Je m'y attendais pas. Non, ouais, je pense que ce sera le meilleur qu'on aura comme stuff. Des SMG, c'est un peu Noël. Et encore des flingues, c'est toujours c'est les mêmes. Génial. Ça va faire des sous tout ça. Bon, allez, super. La dernière tu après. Pas. Hein? Tu l'auras pas ce que tu veux. Je vais y arriver. C'est un peu Noël? Pourri, moins bon point. Ça veut pas être la dernière? C'est super. Bientôt, Jack, bientôt. C'est comme les jeux, comme au casino. Allez, celle-là, c'est la dernière. Ça, je suis à 40 clés, c'est un chiffre pair. Ouais. Allez, on va y vendre tout ça. Tu voulais le... Non, je te demandais si tu le voulais. Ah non, tu peux le prendre. Ça va faire des sous en plus. Maintenant, on va tout mettre dans la camelotte. Au moins, on a pu améliorer nos snipes. Moi, perso, j'ai pu améliorer mon bouclier, mes grenades et mon snipe. Ah, c'est cool. Et fusil à pompe aussi. Hop. Moi, de grenade moins bon. Parce que mon bouclier était à 750, je passe à 998. C'est une grande capacité, mais faible rechargement, donc c'est pas trop gênant. Et je viens gagner de 2 millions de dollars. En vendant tous les objets. On fait notre petit défi? Ouais, j'ai une question avant, en ce qui concerne les niveaux. Et vu qu'on gagne pas d'XP sur l'arène, l'arène est forcément à notre niveau ou l'arène est forcément niveau 40? L'arène, elle est à notre niveau. Enfin, elle est donc au niveau... si on avait 10 niveaux de moins, elle serait niveau 30. C'est ça. Donc elle est adaptable. Je me posais la question, ça m'intriguait. Oui, les DLC, normalement, ils prennent le level quand tu les commences. D'accord. Comme là pour l'Underdome, c'est minimum level 2, mais pour y accéder, c'est entre 2 et 15, et il faut être level 12 minimum pour y accéder en fait. D'accord. Voilà. Mais hop. Après, nous là on gagne pas beaucoup d'XP parce que on a, en gros, entre guillemets, on a fini le jeu, mode principal. Si on recommence le jeu en mode parcours 2, donc Brutas, en gros. Non. Là, quand on va tuer des mecs, on va gagner beaucoup d'XP. Tiens, j'ai oublié une arme. On regagnera beaucoup d'XP et... bien sûr, il faudra faire toutes les quêtes, toute l'histoire, machin. Et comme nous disait un abonné la semaine dernière, on peut aller jusqu'au level 72. Donc en gros tu peux faire vraiment littéralement tu peux prendre tes trois branches. Enfin, ça m'intéresserait, il me faudrait un niveau en plus parce que là avec un niveau je peux mettre des tourelles avec des missiles autoguidés sur ma tourelle en fait. Ah. C'est le dernier palier de ma branche infanterie. Et d'accord. En fait, c'est en gros là, si je mets un point, c'est tir à missile tous les 8 secondes. D'accord. C'est pour ça que là, comme l'Underdome, il sert à rien, il ne donne pas d'XP à part peut-être la quête, et encore la quête, elle va donner quoi?
La quête, elle donne 10 200 d'XP. Et perso, pour... en plus, elle est taguée en jeu d'enfant, alors que c'est pas vrai du tout. Hein. Moi, perso, elle me donne 10 000 d'XP et il m'en faut encore... Que je... Tac, tac, il m'en faut encore 50 000 d'XP pour que je passe le level 41. D'accord. Donc, je sais pas si c'est toi, c'est pareil. Moi, là, il y a 1, 2, 3, 4, 4 barres du niveau 40. Alors, si tu fais tab et tu vas dans tes quêtes, normalement, t'as ta barre d'XP en bas, avec le chiffre. Après, oui, pour gagner d'XP, on peut faire les défis, mais bon, tu vois, genre là, c'est les gros défis, donc c'est tuer 10 000 personnes, tuer 1 000 personnes, tuer 4 000 mecs, des trucs comme ça. Mais rappelle-moi, l'XP gagnée dans ces défis, elle est automatique, faut pas nous aller la valider. Ouais, non, c'est automatique. Comme là, ce qu'on peut faire, c'est... comme là, perso, moi, je suis au dernier palier de gagner de l'argent, où je dois gagner 9 999 900 dollars, et je suis à... je suis à 9 170 202 dollars. Et si je le fais, ça me donne 20 000 d'XP. Donc, c'est pour ça que faut soit farmer les défis, soit autant faire les quêtes des DLC. C'est plus marrant là, de faire les quêtes. Là, il me manque 75 000 d'XP pour passer 41. Ah oui, donc tu vois, ouais, t'es... Tu vois que je vois après, l'arche, faut tuer des gardiens. Enfin, là, les trucs, c'est vraiment... tuer 2000 mecs, tuer 2500 personnes. Tu vois, c'est pas les trucs marrants, quoi. Tac. Que je regarde. Dégâts électriques. Tac, explosif. C'est vraiment les trucs. Ouais, non. Voilà, je. Maintenir le véhicule en l'air pendant 3 secondes, maintenir le véhicule en l'air pendant 5 secondes. Après, il y a un défi qui est facile, c'est tirer 100 000 fois. Je suis à 48 000. Mais du coup, est-ce que c'est genre tirer... Tu passes ton temps à te faire ça, et c'est tout. Genre, t'es pas obligé de tirer sur un ennemi, ou il faut obligatoirement tirer sur un ennemi. Parce que si c'est ça, bah c'est pas compliqué. Je prends mon SMG, je fais un bot qui fait que je clique automatiquement et puis oui, c'est sûr. Et que... puis tu mets le jeu, tu fais ça et voilà. Du coup, je vais tester. Voir si ça a augmenté ou pas. Alors c'est. Alors 48 209. On retient 48 209. Voilà. 48 259. Ok. Donc sachant que j'ai 1200 balles dans mon SMG, je vais rester pendant 3 heures comme ça. Donc c'est pas ouf. Enfin bref. Faisons notre petit duel habituel et puis Allez, vous croyez à la hauteur. Ah, t'as pris le bouclier corrosif? Moi. Oh, ton personnage bug. Oui, je crois que j'étais entre deux plateformes. C'est bug, c'est bug. Ouais, tiens, on va tester les snipes. Espèce de gonzesse, bats-toi, on verra qui s'en sort. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Non. Espèce de gonzesse, bats-toi, qu'on rigole. Ah, cette arme que j'ai là, par contre, elle est obligée de taper le bouclier en premier. Je passe pas à travers. Ah bon?
Ah oui, c'est quoi, c'est une armée iridienne ou c'est... Iridienne. C'est ah oui, ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Je crois que les bugs ils passent pas sur les iridiennes. Je ne mourrai jamais. Et c'est un sniper iridien, toi? Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était un qu'on avait chopé avec la quête. Ouais. Sanguine que tu regardes? Elle aussi, elle regarde. Croyez être à la hauteur? Après c'est plus facile pour moi, mais ce truc, quand tu joues sur 30 FPS, je pense que des fois tu dois me voir en ETP ou des trucs comme ça, non? Non, c'est juste que je t'ai pas très bien vu. On fait ça dans les règles. Allez, le dernier. Voilà, en garde. Ah, mais me laisse pas gagner. Mais non, j'étais en train de changer mon arme. J'ai eu le temps d'aller dans mon inventaire. Non, je ne mourrai jamais. Et ben voilà. Hop. Régénérons la santé. Tu sais, du coup, attends, on va tester... On teste le duel de grenades. Quand tu veux. Attends, parce que du coup ma tourelle on va... Attends. Elle fait pas trop de dégâts, attends, elle va partir. Alors, duel de grenades. En plus c'est les grenades qui se TP. On a tous les deux les mêmes. Attends, j'ai pas compris comment elle fonctionne. En fait c'est... Elle se TP. Donc là tu vois, je vise le mur là-bas. Elle se TP où il y a ton viseur. À leur cible. Ah, mais je croyais que ça allait automatiquement sur un ennemi, moi. Ah non, c'est là où toi tu vises. Ah non, les grenades qui vont directement vers un ennemi, c'est dans Borderlands 2. Ce sera en fait des grenades que tu vas devoir lancer. Ah bah, bien visé, vache. Ce sera des grenades qui, en gros, vont exploser, elles vont faire des milliers de petites grenades, et... Ensuite, tu vas pouvoir les... Enfin, elles vont aller sur les ennemis, puis revenir vers toi. Alors, tiens, en fait, est-ce qu'on a... On a chopé des skins en plus? Non. Bon, je vais faire Cyclope. Pourquoi soutien? J'en ai un. Ah bah oui, ouais, d'accord. Oui, je suis obligé de... hop... Ah oui, si jamais tu peux réinitialiser tes points si tu veux. Ah, ouais. Tes points de compétence si tu veux, tu vas sur la station New U. Si ton build t'aime pas ton build. Genre moi je vais le faire parce qu'il y a un des trucs qui ne sert à rien. En fait tu payes de l'argent et puis tu récupères tous tes points. Donc par contre ce que je vais faire, les alliés à proximité, oui donc ça la santé je prends, ça je prends, par contre je vais prendre la résistance aux balles et ça c'est pas mal. Hop. Mais non. Genre en gros maintenant ma tourelle, tu vois, elle tire des missiles. Mais ouais, mais je suis bête. Attends, faut que je réinitialise encore. J'ai fait du caca. Ça je prends à fond. Ça je prends, comme ça je peux te heal.
Du coup, j'ai 1, 2, 3. Et du coup, là, en gros, tire un missile tous les 7 secondes, tous les 6 secondes, et je régénère 3% de vie. Du coup, comme ça, maintenant, j'ai, pour ma tourelle, en gros, j'ai pris deux branches, mais pas à fond. Tu vois, genre les points, les derniers points, il y en a un sur la régénération de santé, j'ai mis 3 points sur 5, et sur les missiles, j'ai mis 2 points sur 5. Comme ça, au moins, la tourelle, et j'ai changé mes tirs. Comme là, il y en a le fait que la tourelle Scorpio a une chance de réanimer instantanément des alliés, ça je l'ai enlevé parce que ça apparemment ça marche pas très bien. D'accord. Et du coup j'ai augmenté ma résistance aux balles. Là en gros c'est quand je tire sur un ennemi, ça réduit le délai de ma tourelle Scorpio de 2 secondes. Enfin c'est en gros maintenant ça fait en 5 secondes. Et cet effet est disponible tous les 2 secondes. Donc à chaque fois que je tirais sur quelqu'un, un ennemi, ça va régénérer ma tourelle. D'accord. Donc à toi de voir si tu veux changer aussi ta. Bah tu peux le voir sur le stream. Oui, je veux, je veux. Tu vois, j'ai tout mis. Tu peux toi de voir si tu veux faire pareil. Pour l'instant, non, je vais garder comme ça me plaît bien. Okay. Je voudrais juste passer un niveau supplémentaire dès qu'on pourra. Que le dernier point de mon arbre 2. Oui, ouais, tu. Ouais, Sanguine, elle pourra attaquer deux personnes au lieu d'une. Ah oui, ça pourrait être pas mal. Après, c'est... Après, oui, ouais, tu le mets au level max, c'est ça? Ouais. Ah, ouais. Bon, je te laisse quitter. Allez. Normalement j'ai quitté. Voilà, et donc du coup moi le message il dit Jake a abandonné votre cause, les créatures de Pandore deviennent plus faibles et Jake et Vasund a quitté la partie. C'est ça le petit message que j'ai. Hop. Bon bah dommage qu'on en. Enfin, je sais peut-être qu'on réessayera pour la semaine prochaine pour le DLC. Mais là je pense que. C'est pas une bonne idée qu'on finit. Hop, tac. Du coup, tac, 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 tac. On est bon. On est combien aujourd'hui? Ah ouais, on est le 1er avril, c'est vrai. Le 1er avril, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a eu beaucoup des poissons d'avril aujourd'hui. Ah, mais je trouve. Hein. Tant mieux. Hein. Côté jeux vidéo. T'as les fameux sites pour les infos de WoW, de la nouvelle extension. La nouvelle oui, extension, ça c'est bien sûr. Je crois que Zerator, il y a. Oui, il a dit Z-Event Party Politique. Il y a Z-Event Party Politique, il y a les NFT. Ouais, mais moi, tout ça, je trouve pas ça drôle et malheureusement, il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux et ça va propager des fake news et compagnie. C'est pour ça que la plupart des médias. Avant, traditionnellement, dans les JT, tu avais le reportage 1er avril, un faux reportage. Oui. Et ils abandonnent de plus en plus, justement, pour lutter contre les fake news et faire un peu plus d'éducation aux médias au passage. Oui, bah oui, parce que quand j'ai vu politique, je me dis, ça c'est bizarre. Je fais, ah oui, mais c'est vrai, c'est 1er avril, faut pas oublier. Enfin. Bon, bah c'était bien fort sympathique. Oui. Niveau planning. Et pour l'instant, il n'y a rien de fait parce que nous sommes vendredi. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes cette semaine. Oh, c'était une horreur. Il y a des problèmes techniques de partout. Entre toi qui a les problèmes, le voisin qui fait du bruit. Ouais. Le réseau. La connexion qui a décidé de dire au revoir. Ando, malheureusement, de son côté, qui a eu un gros souci. Soit du logiciel diffusion, soit de sa carte graphique. Il pouvait stream, mais aucun jeu. Ah merde. Donc voilà. Ah oui. Ouais. Donc c'était la semaine des problèmes techniques. C'était une horreur. Bon bah du coup, messieurs dames, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez accès au planning 2 la semaine prochaine. Et pour ceux qui regardent la VOD, normalement vous aurez une vidéo dans pas longtemps. Ouais. Quant à nous, alors semaine prochaine, je pense pas que je pourrai stream. D'accord.
Parce que je suis tout seul au taf, donc ça va être compliqué. Peut-être le mardi, s'il y a jeu société. On va voir. Je veux jouer au Uno. Oui, moi aussi, mais on va voir. Là, c'est des questions d'organisation qui sont compliquées. Jeu au Uno. Enfin, bref. Messieurs, dames, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, nous rejoindre sur Discord, à nous follow sur la chaîne Twitch et à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à claquer votre Prime, ça fait toujours plaisir. C'était Draken et Jake. On vous souhaite une bonne soirée. Cordialement, bisous. Bisous.